au déco mécano. Vas-y, Neon Kitty. De courant. Oh, on a utilisé trop d'électricité à mon avis. Ça y est, c'est la fin des haricots. On est fichu. Du calme, tout va bien se passer. Regardez, là, on dirait qu'il y a un garage où on pourra peut-être trouver quelqu'un pour nous aider. Eh ben tu vois, on va pouvoir s'en sortir. Mais il va quand même falloir qu'on pousse un peu le glumper. Ça va pas? Tu veux que je salisse mes bottes? C'est absolument hors de question! Vous ne me verrez jamais pousser ça! Désolée, l'ombre du panneau n'est pas assez grande pour nous abriter toutes les trois. On y est presque! Regardez! La pancarte est tellement petite que j'ai failli passer à côté! On pourra s'abriter du soleil là-bas! Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Faut qu'on y aille! En avant les filles! On est bientôt arrivé au garage. On y est presque. On va y arriver. Ouais. On est trop là-bas. Oh, un distributeur. Il y a quelqu'un là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a besoin d'aide parce que notre véhicule est tombé en panne. Tu n'as pas vu de fumée s'échapper du moteur? Non. Tant mieux, parce que c'est pas bon signe quand la voiture fume. C'est pas une voiture, c'est un glampeur. Un glampeur? Quel modèle? Couleur argent. C'est un modèle ancien ou neuf? Parce que c'est vrai que les véhicules neufs ont des pièces plus sophistiquées. Mais j'avoue que les vieux modèles, ceux-là, ils sont vraiment trop cool. Vous tombez bien, venez voir. J'ai trouvé la garagiste. Regardez, je vous présente notre héroïne. Moi, c'est MC Swag et voilà Western Oni. Heureusement que t'es là. Il est super ton distributeur, j'adore. Par contre, ta pancarte mérite un petit coup de frais. Ça va aller. Mécano Girl, c'est ça? Moi, c'est Gas and Gogal. Et vous êtes nombreuses. Mon travail va prendre un peu de temps, donc repassez me voir un peu plus tard. Vous la trouvez pas un peu bizarre? Je pense qu'elle est juste très timide. Mais je comprends pas. Elle est mécano. Elle est trop cool. Je comprends mieux maintenant. Même ses panneaux sont timides. On dirait qu'ils se font tout petits pour pas qu'on les voit. C'est pour ça qu'elle a pas tellement de clients. Si on lui faisait une nouvelle pancarte? Une pancarte assez grosse pour attirer une foule de nouveaux clients ici et comme ça, elle se ferait plein d'amis. Oh, c'est une excellente idée! Faut lui en parler. Elle est passée où? Alors, changement de plan. Il faut que je commande une pièce et je travaillerai dessus toute la nuit. Wow, ok, c'est parfait. Ah oui, vraiment? Ouais, t'as besoin de plus de clients et on a vu qu'il fallait changer ta pancarte. Alors, on va t'en fabriquer une! C'est vrai? Bien sûr! On va passer la soirée à fabriquer et réparer des trucs! Tu ranges où tes affaires de bricolage? Et toi, tu vas faire quoi? Je peux te regarder travailler? Je te dérangerai pas, c'est promis! D'accord, alors... Ouais! C'est pour ça que j'adore les couleurs fluorescentes. Mais moi, ce que je préfère, c'est le rose fluo. Même s'il y a aussi le rose orangé. Mais cette couleur, j'aime pas. Je l'adore! Tu veux parler de quoi, maintenant? Oh, de nos animaux préférés. J'avoue, je triche, je les aime tous. Je suis pas une grande bavarde, moi. Voilà, on a terminé. C'est une vraie œuvre d'art. J'imagine que c'est pas ton style, c'est ça? Oh, j'aurais dû m'en douter. Hé, hey, tu veux que je te raconte un truc cool? C'est une histoire qui parle de notre glamper. Vas-y. C'est là
qu'on a eu une panne d'électricité. On était coincés au beau milieu du désert. Tu mentais pas quand tu disais que tu parlais pas, hein? Il s'est passé quoi ensuite? On a poussé le glamper toutes les trois pour enfin arriver jusque là. Waouh! Hein? Tiens-toi prête, Gassen Gogal. Voici ta nouvelle pancarte. T'en dis quoi? Merci beaucoup. C'est juste que ça me représente pas. Attends, tu m'as pas parlé de toi encore. De moi? C'est quoi ta voiture préférée? Ma voiture préférée, c'est la Speedmatic G3 City Cruiser. Elle est incroyable! C'est vrai, elle est bien décorée, elle brille et elle a des jantes roses. Elle est parfaite pour faire une balade, mais aussi pour faire la course. Et puis ma pilote automobile préférée, c'est Speedster. C'est grâce à elle que j'aime autant les voitures. D'ailleurs, je peux vous montrer quelques trucs à moi? Oui! Ça y est, je crois qu'elle se sent plus à l'aise maintenant. Et voilà, on avait besoin de te connaître pour faire une pancarte qui te ressemble. T'es prête? 1, 2 et 3. Elle est parfaite! Elle va attirer l'attention, ça fera venir beaucoup de monde. Oui, mais tu sais, si t'as besoin d'un moment toute seule, ben tu peux éteindre les lumières. Je l'adore! Merci beaucoup! Maintenant, faisons notre soirée pyjama! Le moteur du véhicule est aussi puissant que 100 chevaux! En parlant de moteur, c'est déjà arrivé à Speedster que sa voiture cale en plein milieu d'une course! Vous trouvez pas ça incroyable, vous? Waouh! Tu t'y connais en voiture, toi! Maintenant, on sait que c'est la seule chose qui te rend beaucoup moins timide!